Hello les pots de poisson, j'espère que vous allez bien. Bon, alors avec l'Oriacle, pour ceux qui connaissent, c'est un énorme jeu. Et donc je l'ai fait en plusieurs parties, je l'ai coupé en quatre. Pour les signes d'eau, nous avons en toile de fond une énergie de solitude, les poissons, donc ça vous concerne. On peut se sentir seul, on a vraiment l'élément de l'eau en plus qui est votre élément. On peut peut-être être en train de faire des choses seul ou on se retrouve peut-être seul en ce moment. Bon, on va aller voir ce qui sort pour vous, les pots de poisson. Qu'est-ce qu'on a? On a une clé. Elle est très belle d'ailleurs, elle est magnifique même. On a une clé. Il y a des solutions ici qui sont en train d'émerger. On trouve des solutions. Il y a des choses qui sont en train de se déverrouiller. Par rapport à quoi? Avec la carte des abeilles, on peut nous parler de labeur, de travail, de projet, peut-être à plusieurs. Hein. Ils sont tous occupés de bosser dans la ruche. Donc il y a des solutions qui arrivent concernant une construction de quelque chose. Vous voyez dans quel domaine ça vous concerne. Et avec l'autel, ben, c'est quelque chose que vous mettez vachement en avant et vachement à l'honneur. Donc avec les énergies de solitude, là, il y a peut-être des choses pour lesquelles vous vous sentez seul, mais je crois que ça va se solutionner parce que pour moi, vous allez être aidé, ça va être mis en avant, pour ceux à qui ça pourrait parler. Ou en tout cas, on va trouver des solutions par rapport à cette histoire d'être à plusieurs sur quelque chose, à un projet en collectif, où tu vois le travail, et c'est vraiment mis à l'avant, c'est vraiment mis à l'honneur ici sur l'autel. Voilà les potes.